Bienvenue à la série du webinaire de l'AIC Progrès de la pratique. Cette session sera enregistrée pour les infirmières et infirmières qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Cette session sera enregistrée pour les infirmières. Je m'appelle Lisa Ashley et je suis... Le responsable a activé le mode d'écoute et votre ligne demeurera en silence jusqu'à ce que le responsable désactive la mise en silence de votre ligne. On recommence. Le responsable a désactivé le mode d'écoute et la mise en silence de vos lignes a été désactivée. Je m'appelle Lisa Ashley, l'enfant, le activer le... À la fin de la présentation, nous répondrons à vos questions. Sans plus tarder, je vous présente Luc Cormier. Luc Cormier est infirmière hospitalisée. Luc Cormier est infirmier autorisé. Il travaille au centre de programme OASIS qui offre des services de santé et sociaux axés sur la réduction des méfaits. Luc, la parole est à toi. Merci, Lisa. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler de la prévention des surdoses. Je sais si vous regardez dans les médias, on en entend beaucoup parler dernièrement. Puis je pense que c'est très pertinent qu'on parle de ça aujourd'hui. Donc au cours de la présentation, je vais parler un peu brièvement des principes de base de la réduction des méfaits. On va un peu regarder le portrait des surdoses au Canada, la situation actuelle. On parlera de facteurs de risque et des signes de surdose. Ensuite, on parlera des programmes de distribution de naloxone. Et des interventions en cas de surdose, donc quoi faire quand il y a une surdose dans la communauté. Et puis ensuite, je vais parler un peu de ce que je pense qui est nécessaire au niveau d'une approche intersectorielle, puis un peu ce qui se passe à travers le pays pour essayer d'adresser cette problématique qui est urgente puis très inquiétante. Puis ensuite, on aura une place du temps pour des discussions puis des questions, si vous en avez. Donc, c'est quoi la réduction des méfaits? D'abord, c'est une approche qui est pragmatique, qui vise à réduire les conséquences négatives de comportement d'un individu. Donc, souvent, on en parle dans le cas de consommation de drogue, mais vraiment, ça s'applique à n'importe quoi, n'importe quel comportement qui contient certains risques. Donc, on peut parler, par exemple, du port d'un casque quand on fait de la bicyclette ou du port d'un condom pendant des rapports sexuels. Donc, on ne dit pas nécessairement à ces personnes de ne pas conduire leur bicyclette ou de ne pas avoir de rapport sexuel, mais bien de le faire d'une manière qui est plus sécuritaire pour essayer d'éviter certaines conséquences qu'on connaît qui peuvent avoir un effet néfaste sur la santé ou sur le bien-être de la personne. Mais ça s'applique aussi, donc, avec n'importe quelle maladie chronique, c'est très pertinent de parler de réduction des méfaits. C'est ce qu'on fait vraiment comme infirmier et infirmière sur une base quotidienne. On essaie de réduire les méfaits de différentes conditions. C'est aussi un mouvement de justice sociale qui est basé sur le respect des droits des personnes qui consomment des drogues. Donc, plusieurs interventions puis plusieurs activités de plaidoyer qui ont été faites pour essayer d'avoir ces programmes de réduction des méfaits. C'est vraiment basé sur le fait que toutes les personnes, peu importe qui consomment des drogues, qu'ils aient des rapports sexuels, quoi que ce soit, ont le droit d'avoir accès à des services de santé. Donc, c'est basé là-dedans. C'est aussi, ça accepte l'idée que l'utilisation de drogue ou des autres comportements, mais ici, dans le cas d'aujourd'hui, on va parler plus de consommation de drogue, que ça fait partie de notre réalité, que les gens consomment des substances depuis des centaines d'années, si pas plus,
pour essayer d'altérer leur humeur, tout ça. Donc, au lieu de condamner ou d'ignorer ce phénomène-là, on essaie d'en minimiser les effets nocifs pour que les gens, qu'on sait très bien, vont quand même consommer des drogues. Donc, comment peut-il le faire de façon plus sécuritaire, puis de façon que ça ne va pas avoir un impact négatif sur leur santé, sur leur vie, dans les autres aspects de leur vie aussi. Ça reconnaît aussi que la consommation de drogue, c'est un phénomène qui est multidimensionnel, très complexe et qui se situe sur un continuum. Donc, on reconnaît que la majorité des personnes qui consomment des drogues ou des substances psychoactives le font d'une manière qui n'est pas problématique ou nécessairement dangereuse pour leur santé, puis que ça n'affecte pas leur vie sociale, leur habilité de garder un emploi, d'avoir des relations sociales avec d'autres personnes. Donc, ce continuum vraiment qui va de l'abstinence ou de ne pas utiliser à une utilisation qui est peut-être sociale lorsqu'ils consomment avec des amis, puis ensuite vers une programmation plus problématique où on voit vraiment qu'il y a des problèmes au niveau de la santé, de leur vie sociale aussi. Et puis ensuite, vraiment, quand on parle d'addiction plus complexe, quand il y a vraiment des problèmes de santé mentale, souvent les personnes sont sans abri, il y a plusieurs déterminants sociaux de la santé qui ne sont pas favorables à leur situation. Donc, sur tout ce continuum-là, l'idée, c'est qu'on veut offrir des services à une personne, peu importe où elle se situe sur ce continuum-là. Donc, la réduction des méfaits, c'est vraiment le fait de rencontrer quelqu'un où elle est sur ce continuum, puis pouvoir offrir des services qui sont pertinents, puis utiles dans sa situation actuelle. Et finalement, pour moi, je trouve vraiment que la réduction des méfaits, c'est que ça reconnaît vraiment que les réalités de pauvreté, de racisme, d'isolation sociale, d'événements traumatiques qui s'est passé dans leur enfance, peut-être dans le passé, et de discrimination, et toutes les autres inégalités sociales, que ça affecte vraiment la susceptibilité à l'utilisation de drogue, mais aussi la capacité de la personne à en gérer efficacement les conséquences. Donc, on ne peut pas parler de consommation de drogue, de réduction des méfaits, sans vraiment s'adresser aux déterminants sociaux de la santé. Pour moi, c'est vraiment un aspect du soin infirmier qui me démontre vraiment à quel point les déterminants sociaux de la santé sont très importants dans la santé des personnes avec qui on travaille. Donc, les quelques principes fondamentaux, en fait, c'est vraiment basé, axé sur la personne, les besoins de la personne, ses besoins actuels. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Comment peut-on réduire les risques? Sans vraiment se fixer sur un but à long terme qui est peut-être pas réaliste ou qui peut être intimidant pour la personne. C'est vraiment basé sur les droits humains, sur l'inclusion des personnes qui consomment des drogues. Donc, je vais parler un peu de comment c'est important d'intégrer ces personnes-là dans les décisions puis dans la création de programmes qui s'adressent à la consommation de drogue. C'est vraiment basé sur des données probantes. Il y a beaucoup de recherches qui est faite sur les différentes interventions en réduction des méfaits qui démontrent à quel point c'est efficace. Donc, malheureusement, il faut souvent débattre puis argumenter à quel point ces interventions qui parfois ont l'air d'être controversées ou il y a des personnes qui ne comprennent pas vraiment pourquoi on fait telle ou telle chose, que ça prend ces données malheureusement, mais c'est bien de savoir que ça fonctionne si on va les recommander. C'est vraiment une approche où on n'a pas de jugement par rapport à la consommation de drogue ou au comportement quelconque. Donc, comme infirmier, qu'une personne consomme ou pas de drogue, c'est vraiment pas de mes affaires, si on veut dire. Donc, moi, ça ne me fait rien si une personne veut consommer, mais comment peut-elle consommer d'une façon plus sécuritaire, puis éviter, donc lui donner l'information pour qu'elle puisse éviter le plus possible les effets néfastes. Puis c'est vraiment pratique. Il y a vraiment un pragmatisme qui s'apparente à la réduction des méfaits. Donc, c'est dans le sens que si une personne vient me voir à la clinique, puis me dit, écoute, je consomme des drogues, je m'injecte des drogues tous les jours, j'ai aucune intention d'arrêter tout de suite, qu'est-ce que je peux faire pour protéger ma santé? C'est vraiment très inutile pour moi de lui dire, ah, il y a un centre de désintoxication pas loin d'ici, est-ce que tu veux y aller? Quand la personne vient clairement de me dire qu'elle n'a pas l'intention d'arrêter tout de suite. Donc, comment peut-on réduire ces risques, par exemple, de contracter le VIH ou d'autres infections qui sont transmises par le sang? Donc, est-ce que vous savez où il y a des programmes d'échange de seringues?
Donc, c'est, dans ce sens-là, c'est très pratique. Donc, si on parle de la problématique des surdoses d'opioïdes au Canada, c'est très difficile d'avoir des chiffres nationaux qui sont précis, qui sont à jour, parce qu'il n'y a pas vraiment un système standardisé à travers le pays pour collecter ces informations. Donc, ce qu'on sait, c'est que le Canada est le deuxième plus grand consommateur d'opioïdes au monde. Ça, c'est par les ordonnances d'opioïdes aussi qui sont données dans le système de santé. On sait que les décès par surdose sont à la hausse à travers le pays. Et puis, on sait qu'il y a des études qui ont démontré que le taux annuel de décès chez les personnes qui s'injectent des drogues est d'environ 1 à 3 %. Donc, ça, c'est des pourcentages de personnes qui consomment des drogues qui décèdent chaque année. Mais il faut aussi se rappeler qu'il y a encore un plus grand nombre que ça de personnes qui ont des surdoses qui sont non mortels, mais qui aussi peuvent avoir des complications, puis un effet négatif sur leur santé puis leur qualité de vie. Donc, parce que c'est... quelques données qu'on a, c'est sur les hospitalisations liées aux intoxications d'opioïdes. Donc, ici, ce graphique-ci démontre seulement que entre 2007 et 2008 jusqu'à 2014-2015, le taux d'hospitalisation lié à l'intoxication aux opioïdes a augmenté de plus de 30 %. Donc, le taux actuel par 100 000 habitants est d'environ 14 à travers le pays. Puis aussi, on voit un peu la distribution à travers des provinces, qu'il y a des provinces qui, par exemple, en Colombie-Britannique, un taux de 19 par 100 000 habitants. Donc, on va parler un petit peu plus des données de la Colombie-Britannique, juste parce que c'est une province qui a vraiment réussi à avoir beaucoup de données plus précise et plus à jour sur la situation actuelle des surdoses d'opioïdes. Donc, si on regarde ici les décès par surdose de drogues illicites et le taux de décès par 100 000 habitants en Colombie-Britannique, on voit vraiment que de 1991, qui est le début du graphique, jusqu'à 2013, c'était assez stable. Mais là, quand on regarde 2016, on voit qu'il y a 922 personnes qui sont décédées l'année dernière surdose de drogue illicite, qui est vraiment, l'année précédente, c'était 513, puis avant ça, c'était 366. Donc, il y a vraiment une augmentation significative du taux de décès en Colombie-Britannique. Si on regarde ensuite, parmi ces décès, quel pourcentage de ces décès? Donc, on entend beaucoup parler du fentanyl, puis que le fentanyl, c'est vraiment un catalyste important de l'épidémie des surdoses d'opioïdes au Canada en ce moment. Donc, si on regarde dans ces décès, quel pourcentage il y a eu une détection du fentanyl dans le corps ou le système des personnes qui sont décédées? On voit que en 2012, il n'y avait que 4 %, ensuite 2013, 15 % des cas où il y avait une détection du fentanyl. Quand on regarde en 2016, donc l'année dernière, 60 % des décès qui ont été enregistrés en Colombie-Britannique avaient détection du fentanyl. Si on regarde ensuite, ce qui nous indique ici encore la ligne solide, c'est les décès, tous les décès par surdose, et la ligne pointillée, c'est si on exclut le fentanyl de l'équation. Donc, si on exclut le fentanyl de l'équation des surdoses de ce graphique, des surdoses par décès de drogue illicite, on voit que ça demeurait quand même assez stable depuis 2007, mais si on ajoute avec la ligne bleue foncée, le fentanyl, il y a vraiment une augmentation pointée. Et ici, c'est juste les données qui sont jusqu'à octobre 2016, donc ce n'est pas jusqu'à la fin de l'année, c'est pour ça que ce n'est pas jusqu'à 922, comme je viens de mentionner. Mais on voit vraiment que c'est le fentanyl qui est responsable en grande partie de cette augmentation de décès par surdose. Donc, peu importe le fait qu'on n'ait pas de données, que ce soit difficile d'avoir des données précises à jour à travers le Canada, le fait demeure que tous ces décès, toutes les personnes qui sont laissées dans le deuil, toutes ces vies perdues sont inévitables. Ça, c'est une photo d'un événement qu'on a chaque année qui est un peu un événement de commémoration des personnes qui sont décédées. Ça, c'est à Ottawa où je travaille. Chaque année, environ 45 personnes décèdent à Ottawa de surdose d'opioïdes.
Donc, c'est toutes les paires de chaussures représentent une personne qui a perdu la vie inutilement au cours de la dernière année. Explorons un peu pourquoi. Donc, c'est quoi le fentanyl? Donc, comme je disais que c'est vraiment ce qui est responsable vraiment de la croissance fulgurante de décès d'opioïdes, surtout en Colombie-Britannique, et puis on voit que ça se propage aussi dans le reste du pays. Le fentanyl, comme vous le connaissez sûrement, mais c'est un opioïde synthétique qui est 100 fois plus puissant que la morphine. C'est utilisé beaucoup en gestion de la douleur chronique et sévère, donc pour les personnes qui ont vraiment des douleurs quotidiennes. L'épidémie actuelle est attribuable surtout, en grande partie, à la disponibilité du fentanyl illicite. Donc, ce n'est pas du fentanyl dont les thèmes de transdermal de fentanyl qu'on voit souvent dans les soins de santé avec les douleurs chroniques. C'est vraiment du fentanyl illicite qui arrive principalement de la Chine et puis qui fait son entrée en Colombie-Britannique, mais dans d'autres provinces aussi. Souvent, qui peut être acheté en ligne, qui est envoyé par la poste dans des petits paquets. Donc, ce n'est pas des grosses quantités massives, ce qui genre que c'est plus difficile à détecter au niveau des douanes. Et puis, cette production du fentanyl, ce n'est pas quelque chose qui est contrôlé, c'est fait, c'est pas réglementé. C'est souvent mélangé avec des substances inconnues, de concentrations variées, ce qui vraiment accroît le risque de surdose. Donc, quelques grains de fentanyl illicite, qui, comme je viens de le mentionner, est 100 fois plus puissant que la morphine, peut faire la différence entre une surdose et une dose qui est plus normale ou moins à risque. Donc, souvent, on ne sait pas, les gens ne savent pas ce qu'il y a dans leur comprimé. Le fentanyl peut être sous forme de pilule. Ici, c'est une photo avec... qui avait des faux oxycontins placés dans des pilules vertes. Ça peut être sous forme de poudre, soit seul ou mélangé à d'autres drogues, qui fait en sorte que parfois les gens consomment des drogues. Ça a été retrouvé dans des drogues qui ne sont pas nécessairement des opioïdes, comme la cocaïne, par exemple, où les personnes qui consomment de la cocaïne disent « je ne suis pas à risque de surdose d'opioïdes, je ne consomme pas d'opioïdes, je ne suis pas très inquiet ». Mais on voit que dans ces drogues-là, ça fait apparition aussi. Donc, c'est ce qui est plus inquiétant, c'est que les gens, souvent, ne savent même pas qu'il y a du fentanyl dans les drogues qu'ils sont en train de consommer. Donc, quand on parle de facteurs de risque d'une surdose d'opioïdes, ici, sur cette diapositive-là, c'est vraiment les facteurs de risque importants puis principaux d'une surdose. Donc, diminution de la tolérance. Quand on parle de tolérance, comme vous le savez sûrement, c'est le fait que le corps devient habitué à avoir une certaine dose d'opioïdes, qui souvent il faut augmenter la dose d'opioïdes pour avoir le même effet. Cette tolérance-là, malheureusement, peut être perdue assez rapidement. Donc, le fait de ne pas consommer pendant quelques jours, une semaine, déjà ça diminue la tolérance, puis la personne qui recommence à consommer pour n'importe quelle raison, même si elle utilise la même dose qu'elle utilisait avant, peut être à risque de surdose parce que son corps a perdu cette tolérance-là. Donc, particulièrement important quand on parle de centre de désintoxication, donc une personne qui arrête de consommer, qui va à travers d'une désintoxication et qui recommence à consommer par la suite, est à risque. Une personne qui est incarcérée ou même une femme en période postpartum, mais un peu lié à la tolérance, mais aussi le fait qu'on sait qu'en période postpartum, il y a la dépression, il peut y avoir une augmentation des taux de dépression et de surdose aussi, qui a été démontré dans certaines études. Le fait d'avoir une rechute, un peu lié, comme je viens d'expliquer, avec la tolérance, mais je voulais vraiment souligner que le fait d'avoir une rechute, c'est un risque important d'une surdose. Souvent, on parle de quand une personne arrête de consommer, on a un peu des idées irréalistes par rapport à la probabilité que la personne ait une rechute ou non. Il y a certaines études qui suggèrent que entre 40 à 60 % des personnes qui arrêtent de consommer des drogues ont une rechute. Donc ça, c'est si on pense à 60 % c'est la majorité du monde. Souvent, quand une personne arrête de consommer, et puis traditionnellement, qui vraiment ça déborde un peu le sujet d'aujourd'hui, mais traditionnellement, notre approche en traitement des dépendances, si une personne recommence à consommer ou a une rechute,
on blâme un peu cette personne-là, puis on dit, ah ben, t'es pas sérieuse, tu veux pas vraiment qu'on t'aide, donc reviens nous voir quand t'es vraiment prête à faire un changement. Qui, vraiment, c'est très problématique comme approche, mais je pense qu'il est important qu'on ait des discussions franches avec les clients sur le fait que c'est très possible que tu aies une rechute. Pas si jamais tu avais une rechute. Souvent, on hésite d'en parler parce qu'on ne veut pas mettre cette idée que la personne aura peut-être une rechute, mais c'est très probable que la personne ait une rechute. Donc, c'est important de faire de la prévention, de parler un peu de comment prévenir des rechutes, puis si jamais la personne a une rechute, comment faire pour éviter des surdoses puis des décès qui sont évitables. Le mélange de drogues, donc si une personne consomme avec l'alcool, des benzodiazépines mélangées avec des opioïdes, ça augmente vraiment le risque de surdose. Le fait d'avoir eu une surdose antérieure non mortelle est un facteur de risque pour une surdose dans le futur, surtout lié au style de vie, au comportement, et pas nécessairement à une prédisposition physiologique, mais juste le fait que on sait que ces personnes qui ont une surdose donc sont à risque élevé d'avoir une autre surdose par la suite. Et pendant la période d'initiation, un traitement par substitution, donc une personne qui commence, par exemple, la méthadone ou la buprénorphine naloxone, aussi connue sous le nom de Suboxone, pendant cette période d'initiation de 2 à 4 semaines, au début, la personne est à un risque accru de surdose de piède. Donc, ici, les prochaines diapositives, ça fait vraiment partie du programme de formation de naloxone que nous, on donne à nos clients ici. Donc, il y a quelques messages dans la colonne de jaune, c'est les facteurs de risque, et dans le bleu, c'est un peu les messages qu'on donne aux clients pour qui c'est pertinent. Donc, une diminution de la tolérance, donc on explique un peu c'est quoi, ce que ça veut dire, et puis on dit à la personne, si ça fait plusieurs jours que tu n'as pas eu de consommé, si jamais tu as une rechute ou si tu décides de commencer à consommer, prends moins de drogue que d'habitude, donc réduis ta dose, teste une petite quantité de ta drogue avant de prendre toute la drogue au complet, et ou tu peux changer de route d'administration. Donc, on sait que s'injecter est plus à risque que d'ingester un médicament ou de le fumer. Mélanger des drogues, donc on dit à la personne d'utiliser une drogue à la fois ou utiliser moins de chaque drogue, donc réduire chaque quantité pour mélanger les drogues si la personne veut vraiment consommer plusieurs différentes drogues. Le fait de consommer seul, si jamais la personne a une surdose, mais il n'y a personne qui peut aller l'aider, s'il n'y a personne qui savait qu'elle consommait dans son appartement, si la porte est fermée, verrouillée, on ne peut pas se rendre à la personne pour lui donner de l'aide. Donc, on essaie d'encourager la personne à utiliser avec d'autres personnes ou de laisser d'autres personnes savoir qu'ils sont en train de consommer et puis de peut-être vérifier sur eux. De connaître sa propre limite, d'utiliser dans un espace sûr, sécuritaire et accessible aux services paramédics si jamais la personne avait une surdose. La qualité de drogue, donc surtout les personnes qui achètent leur drogue sur la rue, donc on sait que ce n'est pas réglementé, on ne sait pas vraiment ce qui se trouve dans les drogues, surtout avec le fentanyl. Donc, on dit ça à la personne, puis de tester une petite quantité de sa drogue avant de consommer. Le fait d'acheter de la même personne, ça sonne un peu bizarre, mais ça offre une certaine stabilité si au lieu d'acheter de différentes sources. Et puis, on dit à la personne de se renseigner par rapport aux alertes communautaires. Souvent, nous, dans notre clinique, dans notre programme d'échange de seringues, on dit à la personne si jamais on a des rapports qu'il y a plusieurs personnes qui ont des surdoses avec de la cocaïne, il semble avoir du fentanyl dans la cocaïne, par exemple. C'est quelque chose qu'on dit à nos clients pour qu'ils soient au courant puis qu'ils puissent faire des décisions éclairées par rapport à leur consommation. Et puis l'état de santé, donc le fait d'avoir même un rhume ou d'être malade pendant quelques jours, ça augmente le risque d'avoir une surdose. Si par exemple une maladie du foie ou l'hépatite C, une cirrhose, donc tout qui pourrait réduire l'habilité du corps à métaboliser les drogues. Donc on lui dit d'utiliser moins, de dormir, de manger, de boire beaucoup de liquide. Puis d'avoir un contact régulier avec un professionnel de la santé. Et la route, comme j'en avais parlé tout à l'heure, qu'il y a un peu un continuum de risque selon le mode de consommation de drogue.
Donc, quels sont les signes d'une surdose opioïde? Les deux signes les plus importants, c'est le fait qu'il y a un niveau de conscience diminué, donc la personne soit est pas éveillable du tout, ou qu'elle s'endort, qu'elle est difficilement éveillable, et une respiration lente ou une apnée, donc que la personne ne respire pas du tout. Donc, s'il y a un niveau de conscience diminué et une respiration de moins de 12 respirations par minute, c'est les signes clés d'une surdose. Les autres, ça peut être accompagné, mais ce ne sont pas nécessairement les meilleurs indicateurs d'une surdose. Pupilles myotiques, donc des petites pupilles contractées, une cyanose au niveau des lèvres, le bout des doigts. La personne peut avoir une peau moite, froide, avoir des gargouillements ou un ronflement. Donc, on enseigne d'habitude aux clients que le fait qu'une personne ait l'air de ronfler ou de dormir, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle n'est pas en surdose. Donc, vraiment, niveau de conscience et respiration lente sont les indicateurs principaux. Donc, dans cette situation-là, la personne, on pourrait lui donner de l'naloxone. Donc, l'naloxone ou le Narcan, c'est quoi? Bien, c'est un antagoniste opioïde qui est un antidote pour les surdoses opioïdes, qui bloque temporairement les effets des opioïdes. Il est injecté ou administré par le nez. Donc, il y a de l'naloxone intranasal qui a commencé à être distribué par certaines unités de santé publique, mais qui est plus dispendieuse que l'injection. Ça aide à la personne à respirer mieux en attendant les paramédics. Un peu, souvent j'explique comme c'est comme un peu comme une épipène pour une personne qui a une réaction allergique. Ça donne quelques minutes de plus pour attendre les services paramédics puis aider la personne à respirer. Ça fonctionne seulement en cas de surdose d'opioïdes. Donc, si la personne a une surdose aux benzodiazépines, à la cocaïne, à l'alcool, aucun effet. Mais s'il y a une trace d'opioïdes, ça va quand même avoir un effet peut-être diminué, mais il y aura quand même un effet. L'effet est rapide, donc de 3 à 5 minutes, déjà le naloxone peut atteindre les récepteurs opioïdes puis commencer à bloquer les opioïdes. Son efficacité est diminuée après 30 minutes post-injection et puis complètement éliminée après 90 minutes. Donc, c'est très important, puis j'ai une diapositive qui va un peu démontrer ça de façon schématique. Donc ici, la première photo, c'est seulement en fait les opioïdes qui s'attachent aux récepteurs opioïdes dans le cerveau. Et puis ensuite, on voit en vert le Narcan ou l'naloxone qui vient bloquer les récepteurs et déplacer les opioïdes des récepteurs opioïdes. Mais c'est important de noter que la drogue est encore dans le corps. L'naloxone n'efface pas les opioïdes. Donc, quand, comme je viens de l'expliquer, que l'naloxone commence à perdre son efficacité après 30 minutes, mais souvent les opioïdes vont durer beaucoup plus longtemps que l'naloxone. Donc, ils peuvent se réattacher au récepteur et la personne peut se retrouver de nouveau dans une situation de surdose. Donc, d'où l'importance d'appeler le 911 et d'assurer un suivi continu de la personne pour surveiller ses respirations, s'assurer que son oxygénation est adéquate. Ici, donc, c'est simplement pour démontrer que, en fait, la dose, la durée d'action des différents opioïdes que vous voyez, à la fois des doses thérapeutiques et d'une surdose, en rouge et en bleu, au début de... En haut du graphique, dure beaucoup plus longtemps que le dernier item sur la liste, c'est naloxone. Donc, qui a un effet 30 minutes, qui dure seulement 30 minutes environ, jusqu'à au maximum 90 minutes. Mais toutes les autres opioïdes qui sont sur le graphique, dans la plupart des cas, vont durer plus longtemps que l'naloxone. Donc, ça, c'est un aspect très important de l'enseignement qu'on donne aux personnes quand on leur donne une trousse de naloxone. Parce qu'on ne peut pas juste administrer la naloxone, puis ensuite partir, puis assumer que la surdose est terminée. Donc, quoi faire en situation de surdose? Donc, il faut d'abord secouer, essayer de réveiller la personne si la personne est inconsciente. Donc, si la personne ne se réveille pas, on appelle le 911. Excusez-moi. On administre une ampoule de naloxone dans un muscle, souvent on enseigne dans le bras ou dans la jambe. Ici, je l'ai plus en détail, là, mais
Donc, comme tu sais, on injecte, administre l'analaxone. Après avoir administré l'analaxone, qui est une dose, nous, on donne dans nos trousses des doses de 0,4 mg par millilitre. Dans nos trousses, ici, à notre centre de santé communautaire Côte-de-Sable, nous avons trois doses de naloxone. Dans la plupart des autres trousses dans la communauté, ils donnent deux doses. La raison pour laquelle nous, on a ajouté une troisième dose, c'est parce que vraiment, avec le fentanyl, on voit que même deux doses, ce n'est pas suffisant pour sortir la personne de sa surdose. Ensuite, on fait le RCR. Donc, souvent, maintenant, dans les cours de RCR, ils vont enseigner seulement les compressions thoraciques. Mais dans le cas d'une surdose ou même d'une noyade, où vraiment la principale préoccupation, c'est les respirations, c'est indiqué de faire la ventilation aussi, avec des compressions aussi. Donc, après 3 à 5 minutes, on peut donner une deuxième dose de naloxone si la personne est encore inconsciente, mais vraiment, c'est les respirations auxquelles on est intéressé. Donc, si la personne ne respire toujours pas à 12 respirations par minute, on donne une deuxième dose de naloxone et on continue le RCR jusqu'à l'arrivée des paramédics. Les compressions thoraciques ne sont pas nécessaires si la personne a encore un pouls. Donc, je vais en parler dans deux diapositives. Si la personne a besoin, vous connaissez sûrement la position de récupération, donc on enseigne ça aux clients que si ils ont besoin de laisser la personne quelques minutes pour aller chercher une trousse de naloxone ou appeler le 911, de mettre la personne sur son côté. Quelques notes sur le RCR. Donc, la ventilation artificielle est vraiment indispensable dans le cas d'une surdose. Le problème principal, c'est que la personne a une dépression respiratoire à cause de sa surdose aux opioïdes. Le fait d'omettre la ventilation artificielle dans cette situation-ci accroît le risque de blessure hypoxique au cerveau. Et comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, que si la personne a un pouls, les compressions ne sont pas nécessaires. Donc, souvent, la personne a encore un pouls, malgré le fait qu'elle ne respire pas. Surtout si la personne vient juste de tomber dans une surdose. Donc, les compressions ne sont pas nécessaires si la personne a un pouls, mais si elle n'a pas de... Souvent, on va dire aux personnes que, quand nous, on enseigne aux clients de faire les compressions et respiration, juste parce que ça peut être difficile dans cette situation-là d'essayer de trouver un pouls. Il y a certains programmes qui enseignent seulement la ventilation, d'autres programmes qui enseignent seulement les compressions. Nous, on a opté de parler des deux, mais ultimement, ça dépend ce que la personne se sent confortable de faire. Mais la ventilation est vraiment clé. Puis c'est ça, le but du traitement, c'est pas que la personne redevienne consciente, mais c'est que la personne respire par elle-même. Si le niveau de connaissance de la personne s'améliore, ce qui peut très bien arriver, il faut lui expliquer ce qui s'est passé, lui dire que vous lui avez administré l'analoxone et que l'analoxone est temporaire, lui conseiller de ne pas consommer davantage pendant au moins quelques heures, et ensuite traiter ce symptôme de sevrage au besoin. Donc, vu que c'est un antidote, un antagoniste des opioïdes, c'est très probable que la personne se retrouve avec des symptômes de sevrage. Donc, comment peut-on prévenir les surdoses? Vraiment, selon une approche intersectorielle. Donc, il y a plusieurs aspects qui sont importants quand on parle de prévention des surdoses. Et puis, à chaque niveau, d'où pourquoi j'ai ajouté une flèche jaune, c'est important d'impliquer de façon significative les personnes qui consomment des drogues à toutes les étapes, pour consultation, parce qu'ils ont vraiment des idées qui sont innovatrices souvent, puis qui sont vraiment basées sur la réalité des personnes qui ont le plus besoin de d'éducation ou de ces programmes ou de ces politiques. Donc, je vais parler un peu de chacun de ces éléments. Donc, premièrement, l'éducation et le programme de distribution de naloxone, qui est très important, mais souvent, c'est un peu la seule chose dont on parle quand on parle de prévention des surdoses, mais il y a beaucoup d'autres aspects qui sont importants. Donc, je vais passer à travers chacun de ces éléments ici. Donc, quand on parle d'éducation et programme de distribution, il faut, premièrement, éduquer la population générale sur les risques, par exemple, de contamination avec le fentanyl. Donc, on sait que des personnes qui utilisent des drogues seulement de façon récréative, qui peut-être ne se pensent pas à risque d'une surdose, sont à risque de surdose. Donc, c'est vraiment d'enseigner la
la population générale par rapport à ça. D'intégrer des messages clés dans la pratique infirmière sur, par exemple, le risque de rechute élevé quand une personne arrête de consommer, soit parce qu'ils ont passé vers un programme de traitement, tout ça. Mais on sait que, statistiquement, il est très probable que la personne ait une rechute. C'est la nature de cette condition chronique qui est le trouble d'utilisation de substances. Donc, il faut en parler de façon honnête, puis de planifier un peu de comment peut-on prévenir les rechutes et, si jamais la personne a une rechute, comment peut-on prévenir les surdoses. Ensuite, vraiment une approche de réduction des méfaits à travers tout le continuum des soins infirmiers. Avoir un bon système d'alerte communautaire public par rapport à ce qui se passe vraiment en temps réel dans la communauté pour que ce soit vraiment... Parce que les choses changent très rapidement. Il y a souvent des nouvelles drogues qui font surface. Ça peut être difficile d'être à l'affût de tous les changements. Donc, essayer d'avoir un système en place pour vraiment informer la population sans être alarmiste. Il faut que ce soit vraiment basé dans les faits. Établir des programmes de distribution des trousses de naloxone. Donc, certains modèles qui fonctionnent bien, c'est des distributions par des pairs, donc de donner des formations à des personnes qui consomment pour qu'ils puissent former leurs amis ou leurs proches. Il y a, par exemple, en Colombie-Britannique, où ils font une distribution de trousses de naloxone sur des bicyclettes. Il y a quelques pairs qui prennent des bicyclettes, qui vont dans le quartier, puis qui donnent des formations à des personnes qu'ils rencontrent sur la rue. Dans des unités de santé publique, ce qui est très fréquent, en Ontario, dans plusieurs pharmacies, on peut se procurer des trousses de naloxone. Dans les cliniques, dans les salles d'urgence, donc surtout si une personne se présente en salle d'urgence pour une surdose d'opioïdes, c'est très important de donner à cette personne une trousse d'opioïdes, une trousse de naloxone, pardon, pour le futur. Donc, ça, c'est quelque chose qui souvent n'est pas fait, mais récemment, nous, à Ottawa, on a travaillé là-dessus. Puis, maintenant, ils donnent des kits, des trousses de naloxone à des personnes qui sont à risque de surdose d'opioïdes quand ils se présentent en salle d'urgence. C'est vraiment un moment clé où on peut vraiment cibler les personnes qui sont à risque. Dans les prisons, donc les personnes qui sont relâchées de prison devraient avoir une trousse de naloxone, surtout s'ils consomment des opioïdes ou s'ils consommaient avant des opioïdes. Donc ça, c'est vraiment une population prioritaire. Dans les logements des personnes, dans les maisons pour personnes sans abri, on sait que surtout en Colombie-Britannique, il y a beaucoup, beaucoup de surdoses qui se passent dans les logements sociaux. Donc, c'est vraiment un aspect important de leur réponse à la problématique. Accès aux services de santé mentale et de traitement de troubles d'utilisation. Donc, évidemment, il faut améliorer l'accès au traitement des dépendances avec la buprénorphine naloxone, la méthadone, avoir des systèmes qui donnent accès rapide à des personnes de la salle d'urgence jusqu'en communauté pour assurer un suivi, des services de counseling, des centres de désintoxication et de traitement résidentiel. Des programmes de logement d'abord, donc qui est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez les programmes de logement d'abord, mais l'idée, c'est qu'on donne des logements à des personnes sans exiger qu'ils passent à travers plein d'étapes. Et ensuite, soudainement, quand une personne a un logement, puis une place à qui leur appartient, soudainement, ils sont dans un meilleur espace pour s'adresser aux autres problèmes, aux autres aspects de leur vie, dans leur consommation, leurs problèmes de santé, tout ça. De plus en plus, on voit que des interventions avec des opioïdes injectables ou même le diacétylmorphine, qui est de l'héroïne sous ordonnance, qui a été démontré être très efficace en Colombie-Britannique, qui est vraiment pour les personnes pour qui la méthadone, la buprénorphine n'a pas fonctionné, des services d'injection supervisés, des tests de dépistage de drogue et puis des sites de prévention des surdoses. Donc ça, c'est un peu comme un site d'injection supervisée, mais sans nécessairement, c'est un peu ce qui est, si vous avez entendu un peu de la Colombie-Britannique, ce qu'ils ont fait en réponse à l'épidémie de surdose. C'est un peu une mesure d'urgence où il y a des personnes avec des trousses de naloxone qui peuvent observer la consommation. Après, améliorer l'accès aux services de santé mentale également. Et puis,
le fait de tous ces engagements-là, donc les sites d'injection supervisés, les programmes de méthadone, Suboxone, c'est vraiment l'idée, c'est de maintenir et d'établir des rapports thérapeutiques avec des personnes qui consomment des drogues pour qu'ils développent cette relation de confiance. Puis, si jamais ils décident qu'ils veulent arrêter de consommer ou avoir accès à d'autres services, ils vont savoir que ils peuvent nous faire confiance et puis on est une source de soutien pour ces personnes-là. Je vais pas parler. Il y a un autre, une autre présentation webinaire qui s'en vient sur tout ce qui est site d'injection supervisée, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. J'ai déjà un peu mentionné les idées principales. Surveillance épidémiologique avec des données plus précises et à jour. Donc, comme je disais, qu'à l'échelle du Canada, ce n'est pas standardisé. Donc, ça, c'est vraiment un besoin. Améliorer la collection des données relatives aux surdoses des opioïdes. Donc, à la fois les appels aux services paramédicaux, les visites aux salles d'urgence, les hospitalisations, les décès. Donc, on n'est pas très bon à avoir ces données-là. Donc, il faut améliorer ça pour savoir avoir un meilleur portrait de la situation actuelle, d'où l'importance d'avoir une dissémination fréquente et rapide des données. Souvent, les données sont données un an plus tard, donc qui ne sont pas vraiment aussi utiles que s'il y a des données en temps réel ou des rapports fréquents, donc à chaque mois ou à chaque 3 ou 4 mois. Et puis, il faut évaluer nos interventions aussi. C'est important de s'adresser aux déterminants sociaux de la santé. On ne peut pas parler de réduction des méfaits, de prévention des surdoses sans vraiment se rendre compte que et de reconnaître que la consommation de drogue est vraiment un phénomène multidimensionnel qui est très complexe. C'est important de s'attaquer au logement, aux revenus, au soutien social, aux relations interpersonnelles de la personne, qui vraiment, quand on s'adresse à ça, ça permet à la personne de stabiliser dans sa vie personnelle et sociale. Et ensuite, ça devient plus facile pour cette personne-là d'accéder à des services de santé si elle le souhaite. Et ensuite, politique en matière de drogue axée sur la santé publique. Donc, il y a vraiment un besoin à ce point-ci d'explorer la décriminalisation et la réglementation des substances psychoactives, mais selon une approche de santé publique. Donc, ce n'est pas facile, c'est quelque chose qui est compliqué, mais je pense qu'il faut reconnaître que l'approche actuelle est inefficace. Puis que c'est vraiment ce qui est, de mettre quelqu'un en prison pour consommer des drogues, c'est pas une réponse qui est efficace ou appropriée. Donc, il faut explorer d'autres alternatives. D'avoir des lignes directrices sur l'ordonnance des substances contrôlées, d'avoir une protection pour les intervenants en cas de surdose. Donc, ça fait un peu allusion à, au niveau fédéral, il y a une loi pour protéger les personnes qui répondent à une surdose, pour que, un peu comme c'est le cas pour des lois pour le bon samaritain, par exemple, dans le cas d'une crise cardiaque. Et l'application de la loi, donc qui a son utilité pour limiter la quantité de drogue, surtout illicite, qui fait son entrée au Canada, puis pour gérer cette disponibilité-là. Et puis, pour ce qui est de l'implication accrue et significative des personnes, je vous invite à lire ce rapport qui a été préparé il y a fait plusieurs années maintenant, par le réseau juridique canadien VIH-SIDA, qui vraiment parle de l'implication indispensable des personnes qui consomment des drogues dans la création de programmes et de politiques efficaces. C'est ça, juste des questions de réflexion. Puis, quelle stratégie employez-vous dans votre milieu pour prévenir les décès par surdose? Quel est le plus grand besoin dans votre agence ou votre communauté? Que pouvez-vous faire maintenant dans vos agences? Puis une liste de ressources. Puis là, je pense qu'on va faire les questions et réponses. Merci beaucoup, Luc, pour cette présentation. C'était un sujet très important sur la santé publique. Nous avons reçu des questions avant de cette webinaire, mais vous avez déjà répondu à quelques. Mais il y a juste une question. Comment pouvons-nous commencer un programme de distribution de naloxone dans notre milieu? Je pense que, premièrement, je vous inviterais, si vous êtes intéressé à commencer un programme de distribution de naloxone, c'est d'explorer premièrement quelles ressources sont disponibles dans vos communautés. Si vous êtes dans une ville où il y a déjà des programmes de naloxone, peut-être que ça vaut la peine d'établir des partenariats avec les autres organismes qui ont ces programmes.
Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en situation rurale, il y a plusieurs ressources que j'ai mises dans ma présentation sur le développement de programmes de naloxone, avec un peu ce qui est contenu dans les programmes de naloxone. Puis aussi moi-même, j'ai développé un programme de naloxone pour notre organisation ici à Ottawa. Donc, si jamais vous avez des questions, vous voulez que je vous pointe vers des ressources, vous pouvez aussi me contacter, ça me ferait plaisir de vous aider. Puis aussi, finalement, d'avoir une politique, d'essayer d'encourager votre organisation à avoir une politique sur la distribution de la naloxone, pour vraiment que ce soit clair que c'est permis, que vous êtes protégé dans vos différentes juridictions. Donc, c'est possible selon où vous êtes dans votre province que vous ayez besoin d'une directive médicale, mais c'est quelque chose qui est. Donc, la naloxone, c'est un médicament qui est quand même très sécuritaire, puis qui a pas vraiment d'effet secondaire autre que des symptômes de sevrage. D'habitude, c'est assez facile de trouver quelqu'un qui est partant pour soutenir cette initiative-là, qui est très importante, puis très efficace pour prévenir les décès et les complications. Merci, Luc. Il y a une autre question. Pouvez-vous donner des exemples au traitement de sevrage post-naloxone? Oui. Donc, vraiment, c'est vraiment sur le symptôme de. C'est un traitement qui est symptomatique. Donc, si la personne a des nausées, on traite la nausée avec, par exemple, du Gravol. Si la personne a des douleurs aux muscles, on peut donner de l'acétaminophène. Si la personne a de la diarrhée, on peut donner du loperamide. Donc, c'est vraiment basé sur le. Et puis, il y a aussi la clonidine qui parfois on utilise pour les sueurs et le frissonnement, tout ça, qui peut aider certaines personnes. Donc, c'est vraiment basé sur un traitement symptomatique et pas nécessairement. On ne traite pas avec des opioïdes. C'est la seule chose qui est importante. Oui. Okay. Merci, Luc. Si vous ne l'avez pas encore fait, envisagez de vous inscrire à notre prochain webinaire. Donc, merci beaucoup, Luc, et encore, Luc. Et tout c'est tout qui nous, nous à notre participant.